Et bonjour à tous, c'est Akouris, on se retrouve sur un nouveau Legacy Challenge. Alors, Marie, la première réveillée ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? Tac, tac. Qui travaille déjà? Commençons par ça. Marie et son homme. Ok, donc aujourd'hui, c'est Ken qui reste à la maison. Ken qui va faire la nounou. Il le fait plutôt bien en général. Soyons... attends, je vais t'ouvrir le... Tiens. Prends ça. Oui, mais va au WC, Kane! T'as pas besoin de quelqu'un qui amène, toi! Bon, c'est tellement crade, cette baraque. Je comprends pas, pourtant j'ai quelqu'un qui fait le ménage tous les jours. Voilà. Non mais, puce, tu vas où? Attends, t'as mangé. Là! T'as mangé là! Regarde. Là! Elle, ça va. Du coup, aujourd'hui, on a la plante vache qui pousse doucement. Ah! Une bonne flaque de boue. On dirait du goudron quand même. Hein. Enfin, du pétrole. Alors, Marie... Non, tu vas aller au travail directement. Même si techniquement... non, on n'aurait pas dû faire ça. Tant pis. C'est bon. Elle va manger. Vincent est réveillé. Et Vincent travaille aujourd'hui. Oh, Vincent, il est d'humeur enjôleuse. Oh là là. Et Kane se réveille tranquillement, tout va bien, il va pouvoir écrire un peu dans la journée, peut-être. Voilà. C'est peut-être. Tu vas cuisiner? Ah non, d'accord. J'étais en train de me dire aussi. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est du gâteau? Une pâtisserie. Ah oui, alors c'est de la haute cuisine. D'accord, c'est une pâtisserie à faire au micro-ondes. Félicitations pour cette promotion au travail. Ah bah oui, une bonne promotion là. Mais il n'y a rien par terre, qu'est-ce que tu nous indiques? Par contre, côté boulot, tu pars à quelle heure maintenant? 9h. Ok, bon bah tu vas y aller dans 2 minutes, de toute façon. Un petit bisou. Tiens. Parce qu'avant qu'elle parte, parce qu'elle va partir dans 2 secondes. Hein. Et va au travail. Préparer la nourriture pour animaux. Franchement, c'est pas forcément nécessaire de préparer la nourriture comme ça pour les animaux. Hein. C'est pas. Tu vas au plus. Voir le chat. Oui, le chat. Allez. Tâche. Ok. Kane, je sais comment tu vas commencer ta journée. Je sais pas depuis combien de temps il est en train de fuir en fait. Donc ça se trouve, ça fait 5 épisodes qu'il est en train de fuir, 5 jours, et on va se prendre des factures de furieux. Alors, elle est partie au boulot, donc tout va bien. On peut lui proposer quoi au boulot? Travailler dur, se détendre, analyser l'anatomie d'une plante. Flirter avec ses collègues. Ah balance donc. Tant qu'à faire, hein? Réduire la performance au travail. Ok. Bon bah... Donne la possibilité d'être... On sait pas quoi. C'est une la possibilité d'être... C'est déjà pas si mal. Oui, bah oui, vas-y, effectivement. Ah. Alors, puce. Il gagne 10 dollars avec ses ventes, c'est pas ça, hein. Puce, tu redescends. Mais lui, il est parti bosser, du coup. Bon, bah, Kane, écoute. T'es seul à la maison, tu fais des réparations pendant qu'il y a les gamins en bas. On est bien. Voilà. Allez, tu cherches les pièces là-dedans. C'est bon, c'est fait? Non, cherche les pièces. Allez. Eh ben...
Tiens, va jouer. Qu'est-ce qui se passe pour Vincent? Oui, tu peux décrocher. T'es au boulot, mais tu peux décrocher, effectivement. C'est pas bien. Mais bon, t'es youtubeur. Je pense que tu peux te débrouiller, hein. Bon, tu jettes ça. Et tu vas venir t'occuper de donner un bas à la deuxième petite, parce qu'elle est toute crade. On va faire comme ça plutôt, ça m'évitera de donner un bain à Cody. Voilà. Je vais arrêter de les faire bosser, c'est plus la peine, hein. Franchement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'était pas... Bah, il y a la nourriture passée au micro-ondes, c'était pas génial, apparemment. Vincent a besoin d'un nouveau défi au travail. Comment le demande-t-il à son patron? C'est tout l'intérêt d'être youtubeur à la base, c'est que t'as pas de patron. Faire des suggestions ou demander clairement un défi. Demande un défi, allez hop. Vincent entre dans le bureau de son patron, claque un poing sur la table et demande clairement un défi. Son patron est un peu décontenancé, mais apprécie cette audace et lui donne immédiatement une nouvelle mission. Et après, tu lui donneras à manger. Bon, on va faire comme ça sera plus simple. Voilà. Elle viendra manger, elle. Hop. Non, parce que sinon, le temps qu'il arrive à lui faire manger, on n'est pas sorti. Ok, bon, ça c'est bien. Maintenant, tu peux prendre ta propre douche dans cette baignoire-là plutôt parce que l'autre elle est vraiment crade. Et puis, ben, tirer à écrire un peu tout en les surveillant, hein, parce qu'il faut les garder à l'œil. Je sais pas où elle va, elle. Elle va s'occuper du chat qui est dans la salle de bain. Bon, allez, mais si tu veux. Il va pas manger dehors, puce. Tu vas être trempée, tu es toute malade. Bon, au moins, ça fait bouger un petit peu. C'est... Non, c'est pas... Oh, bah, c'était compliqué. Faut arrêter d'embêter chat un petit peu. Elle fait une fixe. Elle vient de lui péter dessus ou c'est moi? Mais elle vient de péter sur le chat. Voilà. Ouais, c'est à ça d'ici, tu vas venir en prendre une part. Allez. Lui, il écrit. Cette tristesse. La gamine avec son bol vide sur un banc dehors sous la pluie. Non mais vous avez une fixation sur ce banc, hein. Il y a plein d'endroits où vous pouvez vous mettre, mais non, faut vous mettiez là, d'accord. Alors, qui c'est qui veut te parler? Il te demande si tu peux le rejoindre quelque part. Mais c'est votre truc de péter les gosses là, hein? Alors, Vincent est rentré. Eh ben Vincent, il est rentré. Il va aller au WC vite fait. Et puis, il va aller s'occuper de ses abonnés. Parce que le souci, c'est que il a beau avoir un métier là-dedans. Bah en fait. Bah en fait, le truc, c'est qu'il gagne pas d'abonnés pendant sa journée. Hein, c'est un peu conceptuel. Oh, faut te détendre. Quand il n'y a plus de musique. T'as vraiment besoin d'entendre d'autres musiques. Oh, bah, tu peux mettre de la musique si tu veux. On peut me déplacer la chaîne ici, regarde. Hop. Ça va pas se tourner. Qu'est-ce qu'il me fait?
Pourquoi il veut pas la tourner? Quand je... Non. D'habitude ça marche très bien. C'est quoi cette affaire? Écoute, mais là pour l'instant, on verra plus tard. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de bugs sur... Mais de la pop, je sais pas moi. Voilà. C'est bon, ça va mieux, t'as de la musique. T'as fini un bouquin? Ah, bah très bien. Très bien, très bien. Et t'en es où côté écrire? Ok, tu peux acheter des figues. Tu peux. Ok. Très bien, très bien. Vincent, 200 abonnés de plus. Ok. Eh ben écoute, tu vas nous faire un petit stream après, hein, mais sur... sur Sims Go, il faut faire quoi? Sims Go, il faut aller capturer des Sims dans la ville, c'est quoi l'idée, hein? Ah, Sims Go, c'est la version mobile, je crois, de Sims. Vincent a obtenu 125... Ah oui, non, mais on l'a déjà vu, ça. Et on monte un petit peu, Vincent. T'as combien d'abonnés? 7000. C'est pas si mal. Tu sais plus que moi. Eh ben go, allez, va réparer. Non, 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 reste là, répare. Allez, go. D'accord. Et toi, tu vas faire quoi? Elles vont toutes les deux danser. Bah, nickel. Tu te sens en sécurité là? Parce que personnellement, moi, j'aurais éteint le courant avant. Je suis pas une pro en techno, enfin, je suis pas une pro en électricité. Mais alors là, je pense que tu prends des risques. Et le chat qui vient l'emmerder en plus. Nickel. Alors, il y a 320. Bon, c'est pas si mal, hein. On est loin des 1000 et 1600 qui vont nous ramener le groupe d'avant, mais... enfin, la génération précédente, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Bah écoute, allez, go, jardin. Tu vas monter niveau 6. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Fiévreuse. Ah. T'es malade non-stop, toi, je note. Commander. Commander, 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 là. Des médicaments. Voilà. Allez, prends-les. T'as combien de... Ah, troisième trimestre déjà! Oula! C'est bon, c'est réparé! Voilà! Allez, tu peux gagner ton point vite fait, là, il n'y a pas trop de soucis, je m'inquiète pas. Peut-être ton médicament avant, non? Ouais, non, mais t'es complètement malade, prends ton médicament avant. Tu continueras après. Lire. Voilà. Bon, ceci dit, c'est peut-être même pas la peine que tu me prennes, que tu lises, en fait, parce que... tu vas tout vendre dans le jardin, ça devrait peut-être te faire monter un peu, non? Allez. Ok, les petiotes. Tout se passe bien. Bah, elle va au pot toute seule comme une grande, donc tout va bien. Lui, pour l'instant, ça va. Pas d'où il sort ses sous, c'est les ventes de... Les ventes de Marie. Allez, écrire... Écrire un article. Qu'est-ce que... Il paraît que la machine à bulles du festival... Non, mais on a une machine à bulles. Viens à la maison.
Tu fais ça, et après, bah, tu pourras aller au WC tranquillement, prendre un bon bain pour te détendre. C'était quoi ce caprice de 2 secondes? Elle a pas de bol la minette, avant ce que... La minette ou minou, je sais même plus. Avoir peur des ordinateurs quand on vit avec un YouTube, un mec qui fait de la... qui écrit toute la journée sur l'ordinateur. C'est bon. Non mais il reste plein là. Marie, tu vas où? Marie, tu vas où? T'as eu un petit coup de fatigue comme ça. D'accord. Il nous manque plein de plantes. Oui, bon, on va au WC. Prendre un bain. Il nous manque plein de plantes là. On en a perdu plein. Je vérifie parce que je vois que Ness en avait souvent dans l'inventaire qui venait se perdre, on ne sait pas trop pourquoi. Ah bah oui, exact. Mais d'où? J'ai un nombre de plantes dans l'inventaire, je comprends même pas. Plant de persil, le persil là-bas. Voilà. Ça, on vend. Elle a tout récolté. Ah non, on va pas s'emmerder. Va falloir tous les vendre comme ça, un par un. On n'est pas sorti. Non, parce que là, c'est de là, il y en a très peu. Mais après. Si je clique là, ça travaille pas tout. On peut même pas garder appuyé, donc ça va être. Ouh, ça va être chiant. Bon, je me retrouve quand j'ai vendu tout vendu. Hein, parce que. Oh, 5! Mais attendez, on n'en a jamais vendu. 40 000 d'un coup! D'accord. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Et c'est un petit peu emmerdant en fait parce que... J'avais vu que Ness, ouais, ça lui avait fait un truc du style. Donc je me suis douté que ça serait une histoire de ce genre-là. Mais je comprends pas pourquoi en fait. Toc. Ouais, les champignons, ils rapportent rien du tout. Ah non, non, ça c'est des plantes. Oui, plantes d'épinards. On a carrément des arbres dans l'inventaire, hein, tout va bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Tac. Bon, l'avantage, c'est que ça les fait pas redescendre au niveau... Ça les fait pas redescendre. Ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être genre les remettre au point de départ avant qu'on les ait fait évoluer pendant je sais pas combien de temps. Ça aurait pu être bien pire. Ah mais je crois que j'ai vendu les champignons en fait. Tant pis. Tant pis, tant pis. C'est bon, on a tout. On a tout. Bon, du coup. Voilà, tu fais ça, tu vas au WC, tu prends une bonne douche, et puis tu retourneras récolter. Récolter, ils peuvent le faire au moins. À la limite, récolter, ils peuvent le faire eux. Super vente, niveau 10, enfin niveau 8. Tout vendre. Allez, fini de tout vendre après, hein, parce que... Voilà. Oula, elles sont pas du tout... Les abeilles sont furieuses. C'est qui est le meilleur Rachel, soit entre femmes. Oui, non, mais non, on va pas y aller. Appliquer. Ah oui, d'accord. Elles sont attaquées par des mythes, apparemment. Ah bon, attends, pas lui. Il fait quoi? Il écoute la chanson d'Elodie. Ok.
Écoute, écoute la chanson d'Élodie et puis tu viens mettre le truc en timide parce que je crois qu'elles sont pas contentes du tout les plantes là. Enfin les abeilles. Tu en as marre de jouer sur le même? Ouais, bah écoute, tu vas changer. A obtenu 0 abonnés. Bah nickel. C'est bon bah écoute. Change un peu de jeu. Bon, arrête parce que. Bon, on est arrivé aux 10 000, c'est déjà ça. Voilà. Un peu taquiner à ta femme. Draguer. Poitou, poitou, poitou. Exactement. Non mais. Cet aspirateur va me rendre dingue. Ça va t'occuper de ta femme. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui va s'occuper de tes gosses. Hein? Et moi, il faudrait que je m'occupe de mon ventre. J'ai toujours aussi faim. Oui, j'ai enregistré deux d'un coup. Et ben, il en reste deux, c'est parfait. Il en reste un pour chacune des gamines. Tiens. Et on prend une portion. Voilà. Hop. Et puis, bah tiens, va embrasser Kane en passant. T'as pas l'air de super humeur en ce moment, donc voilà. Kane, ça allait, et puis il y a un gamin dégoûtant qui vient de passer, c'est ça? Bon, ça va. Ah non, d'accord. Effectivement. Je vais lui donner un bras, voilà. Ah non, elle mange, elle mange, elle mange. Laisse-la tranquille, le temps qu'elle mange. Par contre, tu peux aller voir ton copain, oui, ça oui, c'est pas interdit. Non, d'accord. Ah, c'est lui qui va. Ok. Bon, bah écoute, t'en es où sur l'écriture? Ah, on n'avait pas pris le bouquin? Bah go, boulot. Qu'est-ce qu'il nous fait? Les héros de SimCity, voilà, parfait. Par contre, il n'y a plus rien à manger du coup. Cuisiner. Des tacos aux œufs. Approprié végétarien, allez hop, pour ça. Ah oui, il faut que tu prennes ta douche. Oui, on va te donner un bain. Donner un bain à Lisa, allez hop. D'ailleurs, c'est quand qu'elle grandit Lisa? Lundi. Ok. Marie, ça sera la dernière à passer adulte. Ok. Bon, tu donnes ton bain et son bain et puis après tu vas être couché. Il est déjà 23 h. Kane, tu veux une bonne nouvelle? Tu vas porter les trucs l'été une nouvelle fois, regarde. Intégrer des grâces au truc plus tard et lui s'est perdu, on sait pas pourquoi. Retourne à la base. Ah non, j'ai cru que le chat était passé sous le meuble. Non, cet aspirateur.
Oui, il y a un chat là-haut, mais c'est pas grave. Mais en quoi le chat... Ah. Non, mais tu manges pas les ordures. Marron? Les chats, c'est pas apprendre ou... Non, c'est supplier. S'il te plaît, arrête. Quand il vient de venir, une connaissance de... Ah, ça a descendu du coup. Ah oui. Oh, il t'a supplié, c'est pas non plus. Hein. Qui a mis la table? Ah bah. Oui. Oui. Elle a mis la table, c'était déjà son gros truc quand elle était vivante, hein? Bah, de nu sa mort, ça n'a pas changé quoi que ce soit à ce niveau-là. Allez, Oli. Oli, elle est déjà partie. Elle est en colère, elle. Ouh là là, va te coucher, ça ira mieux. Ah bah, elle est déjà partie se coucher, elle. C'est vite vu. Je t'aurais dit d'aller au WC avant, mais bon, c'est pas grave. Kane. Bah, écoute, Oli. Et Vincent. Au pieu, tu partages une blague avant et tu vas te coucher. Allez. Allez, allez. On peut peut-être éteindre la musique parce que bon, Kane est bien mignon, mais dormir avec la musique, je suis pas sûr. Un peu, hein, mais... Il est parti où? Vincent... Mais ils ont aucune logique pratique, les Sims, en fait. C'est... Leur IA est tellement proche de zéro. Je sais pas combien ça... Mais qu'est-ce que tu fais debout? Non mais... Va te coucher! Elle devrait être au lit, elle! Ah, elle a faim! Oui, mince! Attends, 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 attends! On a encore des trucs à manger, ben voilà! Les fantômes, ça mange? Allez, vas-y, ma puce. Tu vas manger ton morceau. Et puis, on va tous aller se coucher. Moi y compris. Miam, miam. Il est 4 h du mat. C'est du n'importe quoi! Allez, au lit. Il y a le chat qui fait son bazar. Hop, bon, du coup, l'épisode était plus long que prévu, donc on fera le tour du quartier dans un autre. Hein. On fera ça à un autre moment, parce que là, sinon, ça va faire une très longue vidéo. Eh ben, écoutez, allez, hello au lit, et donc je vous dis à plus, et à bientôt. À toutes!